Et genre, c'est Mathieu 4, aujourd'hui on est sur WWE Supercard Saison 5. Donc je vais commencer avec vous cet épisode, cette série plutôt. Bon, je filmerai pas toujours avec vous, mais de temps en temps, je vais filmer. Genre quand je jouerai, je vais pas filmer dès que je jouerai à ce jeu. Bon là, ça prend un peu de temps, on se retrouve dès que ça remarchera. Donc voici le beau John Cena qui nous dit bienvenue dans WWE Supercard. Sélectionnez vos supercards favorites, entraînez-les, puis lâchez-les sur le ring. Elias contre John Cena. Alors, on va prendre John Cena Western à 35. Il gagne. Néon. Alexa, enfin brisé Alexa Bliss. Et le tag team. Donc je vous présenterai mon opinion sur une prochaine vidéo. Je suis vraiment très fort. J'ai cette carte qui est à gauche, Kofi Kingston. Donc là on les a démontés, franchement. Donc là c'est show de draft. Donc là je vais avoir une carte ultime, Charlotte Flair. Les ultimes c'est un peu les plus nuls. C'est un bon début, mais vous avez besoin de mieux. Oh, un pack débutant, merci. Tyler Breeze, Apollo Crews, Becky. Bon, ça c'est les pires cartes. Hein. C'est le début. Sami Zayn ultime. Ouais. Et Jey Uso. Bon, c'est pas mal. On va aller dans la boutique de Pâques. Non, on doit vraiment acheter ça. Bon, allez. Charisme, Samoa Joe. Oh, Samoa Joe. Dean Ambrose. Et Mark Henry. Ouais. Alors, maintenant, on va jouer un petit match. Avec nos cartes pourries. Contre lui, cash. Allez, tag team. C'est de là. Bon, on gagne. Assez simple pour l'instant, c'est que le début. Donc là on a les deux mêmes cartes, mais on va prendre elle, vu qu'elle est plus forte. Voilà. Et eux deux. Et voilà, on a gagné, encore une fois. Voilà. Simple. Chad Gable. Kevin Owens et une amélioration. Okay, les cartes. Waouh, superbe carte. On va améliorer Dean Ambrose. Niveau 4, c'est nul. bon, on va rejouer en sauvage. Oh, tiens. Des tickets de catch. On peut avoir une Summer 17 et là une bestiole. Ouais, mais sauf que moi là, je peux avoir normalement une brigade. Et une 35. C'est les meilleures cartes du jeu, pour ceux qui savent pas. Mais voilà quoi, je dis ça, je dis rien. On va reprendre ces deux cartes là. Ouh, ça fait. Ils sont quand même un peu plus forts là, mais on gagne quand même. On va reprendre lui. Tu as gagné, je pense. Voilà, qu'est-ce qu'on disait. Et là aussi, on gagne. Tout simplement.
Allez. Bayley. Cédric Alexander. Ok. Donc on va s'ouvrir le petit paquet gratuit, on peut avoir une très bonne carte. Voilà, c'est l'ancien 17. Donc là on se retrouve dès que la pub est passée. Donc re. Allez, une petite bonne carte j'espère. C'est l'ancien 17 encore. Bon, c'est très bien. On sera beaucoup plus fort au moins là. Que l'on ne l'est déjà, hein, bien sûr. On est très fort. On va pas se le cacher quand même, on est très fort. Donc je vais utiliser ces cartes. Alors. Voilà, Ultime Plus. Donc ouais, ok, c'est cool tout ce que tu me racontes, John. Je suis très intéressée. Et donc là, je vais faire un petit truc histoire de gagner quelques petites bonnes cartes. Je vais aller sur internet et mettre des QR codes. Donc là, vous voyez pas mon téléphone. Je vais mettre les QR codes. Alors, ça prend un peu de temps, hein. Mais vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Ouais, je pense. J'ai oublié de faire les débiles. Donc ceux-là, c'est les meilleurs QR codes. Le WWE Super. Oui, autorisé. Donc alors, le QR code. Le voici. Et c'est bon. Ça va très vite. Et 4000 battle points. Donc c'est pour les team battleground. Ah oui, c'est vrai, faut quitter. Attends, on se retrouve dès que j'aurai quitté. Donc ouais, encore un QR code. Donc 300 pièces, c'est pas mal. On pourra s'ouvrir. Bah, on va s'ouvrir un petit paquet et après on va arrêter la vidéo. Donc alors, allez, un petit paquet. Une bestiale, c'est pas très bien. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu. C'était Mathieu 4. Ciao.